chers amis, le geste religieux que nous allons tous accomplir maintenant, le geste religieux que nous allons tous accomplir maintenant est une tradition très ancienne de notre bonne ville d'Aix. Il y a maintenant 387 ans, en 1629, une épidémie de peste particulièrement meurtrière ravagea notre cité. En janvier 1630, au plus fort de la tourmente, alors que bon nombre de notables et de magistrats avaient fui la ville, l'assesseur Martelli, à la tête du peuple, assista à la messe et fit le vœu de célébrer chaque année, le 1er septembre, un office d'action de grâce pour remercier Dieu et la Vierge Marie, patronne de la ville, invoquée par les Aixois sous le titre de Notre-Dame de la Seine. C'est au cours de l'un de ces offices que, nous dit la légende, furent distribués les célèbres calissons d'Aix, qui étaient considérés comme une sorte de pain béni. Au moment de la bénédiction, on chantait un refrain, Venite ad calicem, que les Aixois traduisirent bien vite par Venez tutti per le calissus, c'est-à-dire Venez tous au calisson. Nous avons à nous battre contre d'autres pestes, mais nous avons gardé les calissons. Le geste que nous allons faire maintenant gardera néanmoins la beauté et la simplicité confiante qui animaient les Aixois lorsqu'ils venaient chaque année rendre grâce à Dieu de les avoir sauvés de la maladie et du danger. Ils manifestaient ainsi, par le fait de manger ensemble ces calissons, que le partage dans la joie est un des plus beaux gestes de la vie humaine et de la foi chrétienne. Maintenant, pour commémorer le geste de l'assesseur Martelli, Madame le maire va allumer le cierge et qui est dédié à Notre-Dame des Calissons. Vincent, recule un peu, recule un peu. Entrée en procession dans l'église. À la suite du clergé, les autorités et les différents corps constitués, avec les groupes traditionnels, tous ensemble, nous les suivrons et nous entrerons. Que soient remerciés tous ceux qui ont voulu d'une façon ou d'une autre participer à cette fête. Et je voudrais cette année que nous mentionnions spécialement les forces de sécurité, police ou militaires, qui nous protègent actuellement avec beaucoup de générosité et de compétence. Je pense qu'il faut qu'on les applaudisse.